Les nodules sont des concrétions arrondies, minéralisées, qui se forment autour d'un fossile qui peut être plus ou moins complet. Pour avoir accès à ce fossile, il nous faut utiliser une sorte de casse-noix pour paléontologue. Bien souvent, quand on casse le nodule à l'intérieur, on ne trouve pas grand-chose et puis, du fait des processus de fossilisation exceptionnels, on peut trouver des fossiles conservés en trois dimensions. C'est le cas pour ce fossile qui est vieux de 300 millions d'années, qui a été trouvé aux États-Unis dans le Carbonifère. On l'a scanné et on l'a extrait virtuellement de sa gangue pour isoler le crâne qui était préservé en trois dimensions à l'intérieur. Vous avez ici une reconstitution du crâne agrandi. Et encore plus exceptionnel, à l'intérieur de ce crâne, on s'est rendu compte qu'il y avait un cerveau fossilisé, ce qui est très rare puisqu'un cerveau, c'est un tissu mou.